effectivement, la crise du Covid, malheureusement pour le continent, est aussi un accélérateur des problématiques et des défis auxquels les pays africains sont confrontés en termes d'augmentation de la dette, d'accumulation rapide, de déficits trop importants, de revenus même des gouvernements qui étaient un peu trop faibles et déjà une présence de faiblesse au niveau extérieur, bon, pas pour la zone UE, mais pour beaucoup de pays, cette crise a aggravé ces problèmes qui existent. En parlant de perspectives pour 2021, il faut être très clair, 2021 devrait être probablement pas trop mauvaise à cause de l'effet de base de 2020 et des trimestres qui étaient très, très faibles. Mais la vraie question, c'est 2021. Des panélistes ont mentionné le problème du secteur informel. C'est vraiment clé. Actuellement, personne ne sait vraiment si le secteur informel a été endommagé de manière structurelle. Il y a aussi la question de certains secteurs qui sont affectés de manière très dure et qui vont probablement se prolonger dans le temps. Il y a aussi l'incertitude sur la situation globale et la demande pour les matières premières. En fait, l'Afrique, cette année, a eu beaucoup de chance que l'Asie a repris plus vite que prévu en soutenant la demande de certaines matières premières. Elle a aussi reçu énormément de soutien de la part du Fonds monétaire, pour mentionner que les déboursements qui a eu lieu pour le Nigeria, 3,4 milliards, 900 millions de dollars pour la Côte d'Ivoire, en plus du programme. Et il y a eu aussi des soutiens au budget. Donc, l'incertitude sur la reprise, elle est clé et elle sera vraiment visible qu'en 2022, on saura si effectivement l'économie africaine a réellement été endommagée. Le deuxième challenge, je pense, que ce qui est créé, c'est la capacité à générer des revenus pour les États africains. On sait très bien qu'actuellement, les déficits sont très élevés et que beaucoup d'États ont perdu une partie de leurs revenus. Leur capacité à générer ces revenus se trouve d'autant plus rendue plus difficile par le fait qu'il n'y a pas de croissance. Donc, ça pose plein de problèmes parce qu'il y a un problème du service de la dette qui devient plus important en relation des revenus, de l'accumulation aussi de la dette, de la soutenabilité de la dette. Donc, cette question des revenus, de la capacité d'augmenter ses revenus sur une économie qui est en plus un peu, je dirais, chancelante pour beaucoup de pays, c'est vraiment une question de fond qui va être vraiment scrutinée, on va vraiment regarder en 2022, 2023, 2021. Et bien sûr, je l'ai mentionné aussi, c'est très important, le choc du Covid, c'est d'abord un choc sur les exports de matières premières, les exports de services en tourisme, et donc les réserves de beaucoup de pays, les réserves de change, ont été durement affectés. Et cet élément, on ne sait pas s'il va durer dans le temps. On sait, par exemple, que la reprise du tourisme a été poussée jusqu'à 2025 maintenant pour trouver le niveau de 2019. Il y a beaucoup d'éléments la durée de convalescence de certains secteurs importants pour la recette en devises, les recettes en devises des pays est vraiment un souci. Et ça veut dire qu'il y a des pays qui ont l'instabilité macroéconomique, de l'inflation, de la baisse de la valeur de leur monnaie. Et enfin, ça arrive à un moment donné où l'accès au marché est difficile pour la plupart des États. Il y a eu que la Côte d'Ivoire et l'Égypte qui ont fait deux émissions récemment importantes, mais les pays les plus fragiles en termes du crédit ont des difficultés à aller sur le marché alors qu'ils ont besoin de réserves ou en tous les cas de trouver des devises. Parce que les soutiens qui ont été ceux des organisations internationales et des pays bilatéraux en 2020 ne seront probablement pas présents en 2021. Parce que maintenant, on comprend ce qu'est le coronavirus ce ne sera pas sans condition. Donc, les questions de soutenabilité de la dette, de l'accès aux réserves pour maintenir l'instabilité macroéconomique sont clés. Donc, je suis parfaitement d'accord que le Covid accélère certaines tendances qui étaient là sur, disons, les évolutions de long terme, mais maintenant, en ce moment, c'est d'abord aussi un catalyseur de renforcement des problématiques et des défis qui étaient des vrais défis de crédit. Donc nous, actuellement, on a 25 pays en Afrique subsaharienne, 28 sur le continent, on a 12 perspectives négatives.
du fait justement que ces questions-là sont vraiment très importantes en ce qui concerne la capacité de ces pays à pouvoir honorer leur dette. Il y a un pays qui est en train de faire défaut, la Zambie, et il y en aura probablement d'autres dans les années qui viennent. D'ailleurs, le cadre de gestion des dettes au niveau international qui vient de se finir, clairement indique que les pays qui seront dans le cas de l'insoutenabilité de leur dette auront un certain framework qui veut dire des défauts et donc des notes qui sont très très basses.